Le matin du 20 juillet 1974 a tout stoppé. Aise part en vacances était le nom de code pour le début des opérations. Aise n'est pas partie en vacances. La Turquie a réalisé ce qu'elle avait projeté pendant des années. L'invasion a apporté la destruction avec elle. Chypre a été brutalement coupée en deux. Les Chypriotes grecs se sont sauvés pour chercher refuge dans des zones plus sûres et n'ont pas été autorisés à retourner dans leur maison depuis. Quelques jours plus tard, le gouvernement de la République de Chypre a été contraint de transférer les Chypriotes turcs dans les zones occupées. La Turquie mettait en application ses plans de partition de la façon la plus brutale. Avant l'invasion turque, environ 120 000 Chypriotes turcs vivaient mélangés avec 500 000 Chypriotes grecs dans toute l'île. Le souci principal de la Turquie juste après l'invasion était de transférer des colons dans le but de modifier les caractéristiques démographiques de l'île. Ceci a été réalisé grâce à une politique de nettoyage ethnique. Aujourd'hui, plus de 160 000 colons de Turquie vivent dans les secteurs occupés. Si 43 000 troupes turques sont ajoutées à ce nombre, il devient évident que les Chypriotes turcs vivant dans les secteurs occupés, au nombre d'environ 87 000, sont seulement une minorité. Discussions interminables, plans, initiatives, le tout sans résultat. Aucune solution n'a pu être trouvée. Au contraire, la Turquie, de par sa position intransigeante, tente de maintenir le statu quo provoqué par l'invasion en recherchant la division permanente de l'île. En novembre 1983, la prétendue République turque de Chypre du Nord a été unilatéralement et illégalement déclarée. Excepté la Turquie elle-même, aucun pays n'a depuis reconnu cette entité. Au contraire, les Nations Unies ont à plusieurs reprises et par un certain nombre de résolutions condamné cette déclaration. La déclaration a également été considérée illégale par tous les membres de l'Union européenne et la communauté internationale dans son ensemble. Un drapeau énorme, symbole du pseudo-État illégal de cette région occupée de Chypre, se découpe sur les pentes autrefois verdoyantes de la montagne de Pentadactylos. Il est allumé chaque nuit, en provocation aux résidents légitimes de la partie nord de Chypre, leur rappelant que la Turquie, après tant d'années, continue à piétiner leurs terres et leurs droits. Un soir, il y a quelques mois, le drapeau s'est soudainement éteint. En fait, pas simplement le drapeau s'est éteint, mais avec lui toutes les lumières dans les secteurs occupés. Il y avait un sérieux problème avec les centrales électriques dans les secteurs occupés et la crainte s'est avérée de la possibilité d'un blackout total très prolongé. Le gouvernement de Chypre a réagi à la situation de façon humanitaire, sans tenir compte de l'illégitimité du régime d'occupation. Il a fourni l'électricité au secteur occupé et un blackout général a été évité. Si l'économie de Chypre était unifiée, la communauté chypriote turque ne ferait certainement pas les frais des problèmes économiques qu'elle connaît aujourd'hui et qui ont conduit à ce qu'elle appelle son isolement international. Les vraies raisons derrière l'économie dégradée des secteurs occupés devraient être recherchées dans le régime d'occupation lui-même et dans la propre politique de la Turquie. Ce fait est reconnu par les chypriotes turcs eux-mêmes. Isolated is not the Turkish Cypriot community in the north, but the state, the so-called statelet, which is under the patronage of Turkey. Hamed Kavit, auteur-chercheur, a étudié l'histoire de Chypre et a consigné ses connaissances et positions dans les 16 livres qu'il a édités. Ses avis sont exprimés clairement et avec lucidité, bien que, comme il le dit, ceci chagrine les forces d'occupation. Turkey invaded Cyprus and since then our island, 37% of the island, is under Turkish occupation.
A lot of settlers from mainland Turkey were transported or settled in the northern part, and now the Turkish Cypriots form a minority in the northern part of Cyprus. L'occupation, le système économique insatisfaisant, basé presque entièrement sur l'intervention du pseudo-État et sa dépendance à l'égard de la Turquie, et naturellement l'instabilité politique en ce qui concerne une solution à la question de Chypre, sont les vraies raisons de l'isolement allégué. Les forces turques d'occupation ont ouvert les barrages routiers et la circulation des Chypriotes grecs et turcs, de et vers les secteurs occupés, a été permise, bien qu'avec beaucoup de restrictions. Les premières visites ont impliqué un nombre énorme de personnes et étaient dues au besoin des Chypriotes grecs de revoir leurs terres et maisons après presque 30 ans. La Turquie et le régime d'occupation tentent d'exploiter, de toutes les manières possibles, les résultats du référendum d'avril 2004, au prétexte de démontrer le prétendu isolement chypriote turc. Les Chypriotes grecs ont rejeté le plan Annan, non parce qu'ils ne veulent pas d'une solution à la question de Chypre, mais parce qu'ils ont jugé que ce plan spécifique n'assurait pas la réunification de l'île. Chypre est devenu un membre à part entière de l'Union européenne le 1er mai 2004. Les citoyens de la République de Chypre peuvent maintenant voyager, travailler et résider librement dans tous autres pays de l'Europe. Les Chypriotes turcs se sont promptement appropriés ces avantages. La République de Chypre reconnaît les Chypriotes turcs comme citoyens et pour cette raison leur accorde les deux passeports et tous autres documents officiels. Plus de 90% des Chypriotes turcs ont jusqu'à présent obtenu des passeports et des cartes d'identité de la République de Chypre. Ceci leur permet de se déplacer librement, de travailler et s'ils le souhaitent, d'établir leur résidence dans n'importe quel territoire de l'Union européenne. Il leur permet de plus de bénéficier de tous les avantages accordés aux citoyens de l'Union européenne, de poursuivre des études universitaires à Chypre et dans d'autres pays européens, et de bénéficier de la protection diplomatique dans d'autres pays. Des milliers de Chypriotes turcs ont choisi de travailler dans les secteurs libres de la République, où les conditions de travail, les salaires et les retraites sont meilleures. Et naturellement, ceci a sensiblement augmenté le revenu par habitant dans les secteurs occupés. Bu tarafın yani şimdi günlük olarak kazancımız bizim taraftakinden daha iyiydi. Bir de neydi? Bu da işlediğimiz herhangi bir hakkımız yemez şeyi yoktu. İşlediğimizin karşılığını tamamen bilaren alırız. Başka bir şey yok. La plupart d'entre eux travaillent dans le secteur de la construction, mais un grand nombre est également utilisé dans d'autres secteurs. Et naturellement, ils bénéficient de leurs droits en tant que citoyens de la République de Chypre. Ils font partie du système de sécurité sociale de l'île et de tous les programmes et services sociaux offerts par l'État. Juste au cours des deux premières années de l'ouverture des frontières, la République de Chypre a accordé aux Chypriotes turcs des allocations et des avantages pour plus de 32 millions d'euros. Même les Chypriotes turcs eux-mêmes concèdent que leur prétendu isolement est le résultat de l'invasion et de l'occupation. Le journaliste chypriote turc Senor Levent a osé appeler les choses par leur nom. Dans son journal Avrupa, édité dans les secteurs occupés, il exprimait quotidiennement ses pensées d'éditorialiste dénonçant la politique de la Turquie sur la question de Chypre. Avrupa'yı Denktaş'ın bize açtığı davalar yüzünden kapatmak zorunda kaldık. Mahkeme Denktaş lehine bize açılan davalarda karar verdi. Çok ağır bir tazminat kararıydı. 200 bin dolar yaklaşık Amerikan parasıyla Denktaş'a
ödememiz isteniyordu. Öyle bir paramız tabii ki yoktu. Zaten biz de kendimizi haklı sayıyorduk. Ama davayı kaybetmiştik. Parayı ödeyemeyince haciz geldi bize. Burada ne varsa hepsini alıp götürdüler. Ve gazetenin Avrupa'nın satış gelirine de el koydular. Biz de Avrupa'yı kapatmak zorunda kaldık. Bulduğumuz yeni isim de Afrika oldu. Yani Avrupa'dan biz Afrika'ya geçtik. Avrupa'ya, Afrika üzerinden gidiyoruz biz. Burası hala Afrika'dır, Avrupa değil. Hala orman kanunları var burada. Au cours des dernières années, on a pu observer dans les secteurs occupés une industrie de la construction en pleine expansion grâce à l'usurpation des propriétés des Chypriotes grecs. Des villas de luxe, des complexes touristiques et des hôtels sont établis dans les régions de Kyrenia, Famagusta, la péninsule de Karpas et dans tous les secteurs occupés de la République. Plusieurs villas ont été vendues aux citoyens de l'Union européenne, principalement à des citoyens britanniques. Söyledim işte yani bütün bu faktörlere bağlı olarak ekonomi ileriye doğru kaydı. Burada bilinçli herkes bunun suni bir ilerleme olduğunu, suni bir refah düzeyi olduğunu biliyor. Çünkü biz ürettiklerimizle kalkınmıyoruz. Hazır bulduklarımızla bu refah düzeyimizi burada geliştiriyoruz. Yani işte en önemli faktör de az önce söylediğim gibi İnşaat sektöründe burada meydana gelen patlamalar, yani yağmacılıktan, hırsızlıktan para kazanıyoruz. Suivant l'ouverture des frontières, le tourisme a également connu une progression. En plus des touristes arrivant dans le pseudo-État par ses aéroports et ports de fonctionnement illégaux, des milliers d'autres touristes qui viennent à Chypre pour leurs vacances choisissent de visiter et passent un ou plusieurs jours dans la partie occupée de l'île. Une partie alors des devises étrangères apportées par ces touristes finit au nord, dans les coffres du régime illégal. On estime qu'au cours des trois dernières années, la part amenée précisément dans les secteurs occupés par ce mouvement de touristes s'apprécie à 46 millions d'euros. Le gouvernement de Chypre contribue à l'amélioration du niveau de vie des Chypriotes turcs de plusieurs façons. Pratiquement tous les Chypriotes turcs profitent des services offerts par les hôpitaux d'État. Il est également impressionnant qu'un grand nombre de Chypriotes turcs choisissent d'être soignés dans les hôpitaux privés opérant dans le secteur libre. They prefer to go to Sa because they don't believe in the medical services here. Either they go to Turkey, to England or to South. They also visit private clinics in the South so that they can get satisfactory, good standard health. L'Union européenne, ainsi que la communauté internationale dans son ensemble, identifie le gouvernement de Chypre comme seul gouvernement légitime représentant la République de Chypre. Et pour cette raison, l'Union européenne n'a aucune relation avec le régime illégal installé dans les secteurs occupés. Elle a cependant contribué au bien-être des Chypriotes turcs eux-mêmes. Un brillant exemple est le programme cadre pour la capitale divisée de Chypre, au bénéfice des deux communautés. La restauration de vieux bâtiments, l'aménagement en zone piétonne de certains secteurs et la création d'un système d'égouts. L'Union européenne a également financé le déminage de la zone tampon. En outre, elle a contribué à la restauration des monuments religieux des deux communautés. Le secteur des investissements étrangers pose également des problèmes, étant donné que le régime dans la partie occupée de l'île est illégal. En outre, la présence d'un grand nombre de colons crée également des problèmes dans le développement économique, ainsi que la faiblesse de la lire turque, utilisée comme référence. Même un regard rapide suffit pour comprendre que l'économie des secteurs occupés est tout sauf fermée.
Au contraire, elle démontre les caractéristiques d'une économie ouverte, comme par exemple l'importance du volume du commerce extérieur. Les importations sont évidemment beaucoup plus élevées que les exportations, et de fait, les problèmes liés à la compétitivité ne sont pas, comme le prétendent les dirigeants chypriotes turcs, dus au prétendu isolement, mais dus à l'importance du déficit public. Jusqu'à 1994 inclus, 55% des exportations des secteurs occupés ont pris le chemin des pays européens, le marché principal étant le Royaume-Uni. La décision de la Cour européenne reconnaissant pour seul acceptable les documents d'accompagnement publiés par les autorités de la République de Chypre a changé tout cela. Les exportations vers l'Europe sont tombées à 12% et les exportations en Turquie ont cru. Les principaux produits exportés depuis les secteurs occupés sont les agrumes, l'habillement, les produits laitiers et des nourritures en boîte. On a permis à partir d'avril 2003 et suivant l'instauration de la libre circulation partielle, l'entrée des marchandises en provenance des secteurs occupés sans aucune formalité de douane. Les marchandises doivent être accompagnées d'un certificat délivré par la Chambre de commerce chypriote turque et sont sujettes naturellement aux contrôles nécessaires de sécurité sanitaire exigés par l'Union européenne. Les dépenses occasionnées par les touristes, mais principalement par les chypriotes grecs suivant l'ouverture des frontières, sont un autre facteur significatif dans l'amélioration de l'économie du pseudo-État. Des centaines de chypriotes grecs visitent quotidiennement les secteurs occupés afin d'acheter des biens de consommation et laissent des sommes d'argent significatives. Au cours de ces trois dernières années, plusieurs millions de livres ont été dépensés par les chypriotes grecs dans les casinos des secteurs occupés. Tous ces facteurs ont contribué à l'augmentation du revenu chypriote turc. Considérant qu'en 2002, le revenu par habitant avait à peine atteint 3 693 euros, en 2005, il avait atteint 7 960 euros. Le gouvernement de la République de Chypre est convaincu que, grâce à sa proposition en faveur de l'ouverture de davantage de passages vers les secteurs occupés, une plus grande impulsion sera donnée au rapprochement entre les deux communautés et améliorera les perspectives pour la réunification du pays. Les dirigeants chypriotes turcs maintiennent que le commerce direct aiderait à réduire le prétendu isolement des chypriotes turcs. Le gouvernement de Chypre n'a aucun accès aux ports et aux aéroports occupés, et de fait ne peut exercer aucun contrôle de ceux-ci ou imposer les conditions prévues par les règlements du commerce international. Il ne peut pas ordonner l'exécution des dispositions exigées par des accords internationaux concernant la sécurité des vols et la conduite même des aéroports. En conséquence, il s'oppose à leur fonctionnement. En outre, les aéroports de fonctionnement illégal ne sont même pas reconnus par l'Association internationale de trafic aérien, l'IATA, et ne sont pas inclus dans la liste des aéroports internationaux. Il en va naturellement de même pour les deux ports de fonctionnement illégal dans les secteurs occupés. Le prétendu, donc, isolement, est exclusivement dû à la politique adoptée par la Turquie. La dépendance à l'égard de la Turquie, du système économique insatisfaisant en vigueur dans les secteurs occupés et les résultats de l'invasion et de l'occupation de l'île. Chypre n'est pas un pays d'isolement, c'est une partie de l'Europe. Et ses résidents légaux, chypriotes grecs, chypriotes turcs, arméniens, latins et maronites, aspirent et peuvent vivre dans la paix. Libre, sans armée d'occupation. C'est également la position ferme du gouvernement de la République de Chypre. Une solution juste et viable au problème de Chypre.